Yo tout le monde, c'est Jacour, on se retrouve pour l'épisode 2 de Middle Earth Shadow of Mordor. J'espère que vous allez bien, donc j'ai baissé un peu le son de mon micro, j'espère que ce sera mieux parce que je le trouvais un peu fort. Aussi désolé pour quand je parle pour la cinématique, faut savoir ce que vous voulez les gars, je peux parler ou je peux pas parler. Est-ce que je regardais si... Non j'ai que deux tenues, ok. Bon, on reprend le mode histoire. Donc, où on en était? Je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Ah oui, on devait tuer un capitaine orc. Gimub l'esclavagiste, si je me souviens bien. Merci, Alas. J'écoute pas ce qu'il dit. Ah, j'espère qu'on va pas reprendre là. Non, je pense pas. Je connais pas cet endroit, dis donc. Mais je vais aller par là, moi. Cette créature sur moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh putain, je vois rien! Je vois rien! Le soleil dans les yeux. Alors attends, il y a un orc. D'abord, il faut apporter ces tonneaux ici. Et après, il faut transporter ces mêmes tonneaux. Et ouais. Et bing! Attaque furtive! Je te suis redevable. Bien sûr, tu m'as redevable. Supplie-le, tu dis. Je kiffe comment il lui dit. Supplie-moi! Eh, mec, y a tous tes esclaves qui se barrent, je sais pas si t'as remarqué. Si nos esclaves n'accélèrent pas, on va utiliser leur corps plutôt que les cailloux pour construire les routes pour nos armées! Il me voit pas? Si je vois le Tark faire le malin avec ses nouveaux coups, je vais m'occuper de son cas, vous verrez! Je peux pas l'attaquer. Je suis pas assez haut, peut-être. Ouf. Oh, en mode furtif là, c'était stylé. J'ai apprécié le tuer comme ça. Alors, lui, c'est quoi? C'est un capitaine, lui, hein. Il m'a l'air assez balèze. J'ai les poils du nez qui frisent. Ah. C'est jamais possible. Ah, c'est lui. Flak. Flak, le porteur de nuit. Bon, on va se le faire. Ah merde, la Tyrolienne va pas au bon endroit. Il est loin, l'enfoiré. Ces humains sont comme des il est loin, rats hein. Terre. Et comme attends, les quoi rats, il doit être exterminé jusqu'au dernier. Il y en a un qui a des informations, on dirait. Voilà, un des trois. Les Caragors ne me font pas peur. Le prochain que je vois. Ah oui, les Caragors, c'est les bestioles, je crois, là, les trucs. Ah, je sais pas si on en a vu encore. J'aimerais bien trouver un archer. Les archers qui savent tirer du feu sont les mieux entraînés. Ouais, c'est lui là, j'aimerais bien lui sauter dessus. Je dois être trop haut, je pense. Je n'aime pas ces ruines. Elles sont effrayantes. Ah. On se sent observé chaque fois qu'on passe de l'an. C'est normal, mec, t'es observé. Allez, on m'appelle Brice de Nice. Merde. Je sais pas si je peux grimper. Merci, Rodeur. Oh! Oh! Mais non, suspends-toi! Combien de gueules on a tué hier? C'est lui que je veux me faire là! Pas comme ça! Merde! Ouf! Écrivez! Laisse-moi t'offrir les ténèbres! Non! Je ne peux pas prendre tes yeux et t'offrir une nuit éternelle! Allez, tu veux. On est trop long! Ouf! C'est bon, il est mort! Ouf, c'était stylé! Merde, comment on fait déjà? Comment on fait pour prendre les infos là?
Alors, les renseignements vous révéleront les forces d'un capitaine et déverrouilleront ses faiblesses. Ses faiblesses déverrouillées vous permettront de vaincre plus facilement un capitaine. Une virabilité avec un seul con, une stratégie de combat plus sûre. Ouais, d'accord, c'est cool ça. Renseignements sur Gimoud. Parfait ça. Alors. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Attendez, hop. Je suis désolé. J'ai fait de la merde. Alors, faiblesse. Dégâts par coup finaux au combat peut être blessé par des coups finaux. Dégâts par attaque à distance. D'accord. On peut peut-être le tuer avec une flèche directe comme ça. En plein dans la tête, je suppose que c'est possible. Allez, t'as perdu la tête. Oh, ça me fait penser, j'ai oublié de mettre. Ah, ça c'est bien ça. 30% de chance d'infliger un coup critique. Alors attendez, je mets juste mon petit chronomètre pour éviter de faire des épisodes trop longs. 30% de chance d'afficher un coup critique dès la première attaque, ça c'est hyper bien. Allez hop, on équipe. Bon, les annexes on verra plus tard, je crois qu'on m'a vu. Si tu m'exaspères, tu serviras de souper. Eh les gars, je suis là. Renversez-le. Bon, en fait, le système de combat ça fait vachement penser à Batman, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est morte. Rien que toi et moi. Ok, bon, on va aller vers Ginoob là. J'ai même pas perdu de vie. Ça fait vachement penser à Batman le système de combat. En gros, tu sais, ça te dirige directement vers la cible la plus proche. Et puis tu sais, dans Batman, quand mais je me demande si, enfin, vu que c'est un jeu Warner, Batman, il me semble, je me demande si ça a pas été inspiré de ça aussi. C'est possible, hein. Alors, bon, on va y aller en mode mollo. Là, il nous voit moins quand on est comme ça. Putain, on peut peut-être me voir là. Ah merde, je peux pas l'exécuter. C'est pas ce que je fais. J'ai attiré tout le camp, mais fuck. Mon gars. Encerclez-le. Mais encerclez-moi, y'a pas de soucis les gars. Ouh merde, là j'ai plus cher. Oh, je sais pas ce que c'était, mais c'était cool. Oh putain! Non, putain! Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'était rigolo. Je ne perds jamais! Bah, on dirait que si. Ça t'arrive. Oh, je kiffe les combats! Herbe à pipe collectée. Bon, on va essayer. L'autre ronde, c'est quoi l'autre ronde? J'ai une quête annexe donc pour choper de l'herbe à pipe. Et l'autre ronde, je sais pas ce que c'est. Oh, vas-y, on va aller se faire la mission là. J'ai entendu dire qu'on allait partir d'ici. Pas moi, j'ai reçu. Hop. Allez, allons nous faire Gimoob. Gimoob, l'esclavagiste. Franche, il a pris cher. Ça n'augure rien de bon. Tu ne vois pas, le prisonnier a créé une diversion. Pourquoi traques-tu les Uruks avec tes yeux humains? J'en vois plus que tous les mortels. Alors. Tue le capitaine Orc.
Si tu coupes la tête du serpent, son corps périra. Ok. Les archers. Je dois éliminer les yeux du camp. Ouais, t'inquiète. Alors, on va se faire les archers. Oh, débloquer compétences. Attends, on va se mettre bien là. Alors, qu'est-ce que je peux débloquer? Chevaucher de Karagor. Ouais, ça, ça m'intéresse pas trop. Émanation aérienne, bah voilà, c'est ça que je voulais. J'ai combien de points? 25, ah ouais, c'est pas terrible. On ira voir plus tard pour les annexes. Pour lire l'histoire et tout. Ah oui, mais regarde, là-bas il y a un. Il y a un truc. Ça va être en haut, je suppose. Je vais y aller. Ils vont encore nous envoyer chercher cette petite créature. Je vais y aller, il y a un artefact, alors je vais me le faire. Enfin, ça sert à rien de le laisser, le pauvre petit artefact, il est tout seul. Tranquillement bien placé. Bon, là il y a des échelles, du coup je suppose que c'est par là, ça doit être en haut. Je vais récupérer une flèche aussi, vous voyez sur la carte juste à côté de l'artefact, il y a une petite flèche. Enfin, je sais pas où elle est. Ah ouais, j'aimerais bien juste ça. Ah, c'est à l'échelle. Non, bon, attends, t'as une échelle, mec, fais pas chier. Hop, allez, monte. Oh putain, j'ai cru qu'il allait pas vouloir la monter. Non, c'est pas ici. Ah ouais, quand tu... Oh, putain, ça c'est con, ça, quand t'es pas bien droit par rapport... Oh, j'ai eu peur de tomber dans le vide. Allez, là, la flèche. Non, bah, mais... Je vais juste aller récupérer la flèche. Bon, tant pis. Allez là, l'artefact. Il est là. C'est bleu là. C'est étrange. Alors, les archers. Là, il a vu le corps, mais il m'a pas vu moi. Il me reste deux flèches. Et un archer là-bas. Enfin, en face, là où il y a ma tête. Alors, attendez, on va attendre qu'il bouge plus. Et donc, c'est bon, j'ai récupéré. C'est bon, j'ai tout. Ah, il en reste un. Ah, là-bas. Là-bas, là-bas. J'ai plus de tir d'elfe. Alors on a Guimoub là. Bon, je vois 5 autres gardes. Non, il paraît que les esclaves d'un autre camp se sont soulevés contre leur chef. Par contre, j'aimerais bien trouver l'artefact. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est là. Grumbog l'a regardé une seule fois, et il a dit qu'on fait en hurlant comme un vulgaire pot tendre. Ça va lui rester toute la vie. Allez, dites-moi où il est là. Putain, je le vois pas. C'est la porte noire, ça, non? Je viens de capter, je crois qu'ils sont en train de construire la porte noire, en fait. Ok, donc là ils sont un peu en alerte parce que j'ai défoncé leurs archers. Ah, il y a une flèche. Remonte. Remonte. De toute façon, je vais pouvoir tuer le capitaine de loin comme ça. Par contre, ouais, je sais pas où il est l'artefact. C'est pas par là. Il est là. Alors, cet artefact renferme les souvenirs du Mordor. Ok, donc faut trouver les souvenirs. Ah, là. Bon, les limaces, bienvenue à la Porte Noire.
Vous allez construire nos tours de guet. Travaillez dur, vous serez récompensé. Monsieur, vous voulez dire qu'on sera récompensé par une peine plus courte ? Vous n'êtes tous que des traîtres, des meurtriers et des voleurs. Votre récompense, ce sera de ne pas finir en pâture au Carador. Je crois qu'on n'a pas la même notion des récompenses. Amélioration, qu'est-ce que j'ai comme amélioration ? 75 points, ouais, c'est pas terrible, je vais attendre un peu. Je vais attendre d'avoir genre 150 pour augmenter mes trucs avec mes flèches là. Ces hommes ne sont pas des soldats. Ils ne sont pas prêts à mourir. Toute chose vivante doit mourir. Seul l'homme doit faire face au mystère qui se cache derrière la mort. Une seconde. Re, excusez-moi, c'est ma maman qui a bonne mode à bonjour. Bah alors, est-ce qu'on peut le tuer à l'arc ? Nous allons voir ça tout de suite ! Non, en fait, ce sera après la pub. Ah d'ailleurs, en fait, le jeu, en fait, il est copyrighté. Donc alors après, je sais pas si c'est juste les... Qu'est-ce qu'il y a chaud derrière ça ? Si c'est juste les... C'est ce que je veux aussi. Merde, les cinématiques ou juste ou le jeu en entier, genre la musique et tout. Alors là, je vois personne. Il y a un mec juste derrière, en fait. J'adore le grog, mais j'aimerais autant une bonne petite guerre. Les orcs sont tous très intelligents. Alors, ils respawnent pas ici, quand on doit se taper les boss. Archer, tirez vos flèches dans le crâne de cette bête si elle approche trop près. C'est elle ou nous. Je vois pas de bête, moi. Ok. Oh, j'ai raté. Vous avez entendu ça? Non, pas entendu. J'ai raté ma flèche comme un boss. Je vais attendre qu'il remonte la concentration. Enfin, si. Elle est où la concentration? C'est la barre là. Sur la gauche. Voilà, c'est bon, elle est remontée. Alors là, il y a un autre orc à côté. Enfin, deux à côté. Les archers sont tous morts. Bon, allez, on va se le faire. Je sais pas viser. Bon, allez, on se les fait. Allez. Tout esclave tentant de s'échapper mourra de faim attachée. Ne pensez même pas. Rodeur ! Encore une Shrak qui a besoin qu'on la remette à sa place. Ah, je crois que c'est toi que je vais remettre à ta place, mon gars. Je vous remets à votre place. On va courir. Allez, tu veux venir? Tu veux venir? Assez. Oh putain, il y en a beaucoup. Oh merde, il m'a fait mal. Il fait chier lui à m'attaquer. Je me propose qu'on court. Oh, j'ai entendu l'esclave demander ta clémence, que tu lui laisses la vie sauve. S'il fuit encore, on va manquer de poteau. Allez vite. Merci. Je vais te broyer. Ou pas. Oh, aussi, il va me broyer. On se les fait tous. Oh, comment il fait ça? Ah, mais non, mais non. Maman. Oh shit. J'ai fait trop le bourrin. Je pensais que la flèche allait faire du dégât, mais fesses, ouais. Pourquoi traques-tu les Uruks avec tes yeux humains ? J'en vois plus que tous les mortels. Tue le capitaine Orc. Si tu coupes la tête du serpent, son corps périra. Des archers.
Je dois éliminer les yeux du camp. Comment je me suis fait défoncer? Bon, j'ai pris l'artefact, j'ai plus besoin de le prendre. Je vais me reculer pour tuer les archers. Je vais me mettre en hauteur comme j'étais, c'était bien. Oh le con! Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tous les tuer un par un. Bon, tant pis si l'épisode dure longtemps, hein, fuck. Le nouveau chef, on a taillé un. Au pire, sinon je le ferai en deux fois. Hein. Attends, j'en sais combien de temps là? 14 minutes? Ah ouais, je dois déjà être à 20 minutes. Bon, je vais le tuer quand même dans cet épisode, hein, tant pis. Donc là. Alors. Oh shit. Il est mort. Bon, ils sont tous morts. Ça c'est fait. Bon, ça c'était pas très compliqué. Maintenant je vais m'amuser à tuer les. Pas mort. Celui était baraque un peu. On va dire que c'est l'excuse. Non mais mec, tu t'es pris une flèche, mais il y avait rien. On est d'accord. Allez, monte. Je sais pas où elle est l'autre flèche. J'ai pas l'impression qu'il me voit. Ah si, il me voit. Enfin, il se demande d'où ça vient. On dirait bien qu'il monte. Bon, s'il monte, hein, je l'écœurerai. Hein. Il est où? Là-bas, en dessous. Ça va. Faut que je boive moins de drogue. J'entends des choses. Ouais, mon gars, t'entends des choses, ça c'est sûr. Comment je fais pour aller là-bas? Est-ce qu'il y a un tir là? Les troupes approchent. Je les ai entendus là. Ah ouais, d'accord. Faut peut-être que je le vis dans la tête. Bon alors. Regardons. Où sont ces archers? Attends, je vais utiliser la tiro. Oh putain. Je sais pas. I don't know. Il est mort là. Ouais. Alors j'en vois 4 au moins. Sans compter Guimoub. Sachant qu'il me reste 3 flèches, après ça devrait être faisable. Il y en a un là, en haut. J'ai l'air d'avoir tué. Non, même pas. Bon, il me reste une flèche. Je vais tuer celui qui est tout seul. J'ai plus de. Oh merde, j'ai relancé la flèche. Bon, bah tant pis. Mais il a été touché. Ah ouais. Bizarre. Ah d'accord, ça fait un genre un pouvoir qui active ma magie, le truc. C'est cool ça. Sympa. Est-ce que je vais essayer d'aller près d'un ennemi pour récupérer des flèches là en maintenant B là, si je peux le faire. Putain, il est sur la droite là. C'est pas le bon moment. Quelqu'un a vu les nouvelles traces? Non, t'inquiète. La chose qui les a faites doit être chassée et tuée. Si ça continue avec l'immortel, je connais un capitaine qui va mordre la poussière et se faire remplacer. Quelque chose vient de bouger par là-bas.
Je vais essayer de me les faire en mode. En mode Assassin's Creed. Toi, tu m'entends pas, l'anglais ? On a des explosifs dans son arsenal. Alors j'imagine qu'on sera déployé là-bas s'il y a du gravus avec les mortiers. Je me l'ai fait en mode. Là, c'est un peu plus propre que c'est qu'avant, hein. Quand même. Qu'est-ce que c'est long ! Il devrait trancher la tête de cet idiot et avancer ! Vous pensiez être assez rapide pour fuir, hein ? Aucun avorton d'humain ne se distancie à Uru. Vous voyez ces esclaves ? Ils ont tenté de fuir, alors ils vont mourir, ligotés à un poteau, et le même sort vous attend. Je vais essayer de tous me les faire comme ça. Essayez plus jamais de fuir. Ce sera plus dur sans pied. J'aime pas ça. Et ça commence à être pas mal là, hein, franchement. Je trouve que je gère. Hein. Si j'avais le choix, je combattrais tout seul. Aucun de vous ne sait se battre comme moi, bande de limaces. Oui, c'est ça, ouais. Attends, c'est quoi ? Je vais me faire celui qui est là-bas tout seul. L'immortel va payer pour ses crimes contre notre seigneur. Je sais pas si je peux l'attirer, lui. Qu'est-ce que c'était ? Ta mère ! Et franchement, le jeu. Là, franchement, je pense que vous pouvez pas dire le contraire. Je gère. Je gère la fougère, même. Ils sont où les autres ? J'en vois plus que deux. Franchement, là, c'est facile. Oh shot! Oh merde! Rodeur! Encore une Shrak qui a besoin de la place! J'étais un esclave sans faire exprès! Donc, alors là, tu vois, je vais te remettre ta place, mon gars! Mais non! Fais ce que je te dis! Ça n'a pas marché avant. Ça ne marche toujours pas. Allez, bing. Oh putain, et franchement, c'était clean ce coup-ci. Hein. C'était ultra clean même. Alors, les capitaines. Libère des runes, ouais, ça, je sais, merci. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Mon jeu a planté, je crois. C'est quoi ce bordel ? Ok. Bon. Dommage. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, bah, attendez, je coupe la vidéo, je vais essayer de régler le truc. Bon, bah, le jeu a planté. En garantissant la sécurité des êtres chers à notre cœur. Pour une raison quelconque, je ne sais pas. Oh, il se passe quoi là ? Oh, me dis pas que... Non ! Bon, bah écoutez... Ah, oh, cette blague. Cette blague. Alors, attends. Je vais juste revérifier un truc. Donc lui, il est bien mort. Mais lui... Ok. Bon, bah, il y a eu un plantage du jeu, je ne sais pas pourquoi. Tant pis, c'est pas grave, hein. Je vais pas couper au montage parce que c'était rigolo, puis ça m'a entraîné. Mais bon, ça fait chier un peu. Je sais pas pourquoi il a planté comme ça. Bon, bah, on va aller se taper
va aller se taper l'esclavagiste, hein. C'était pas très dur en fait, faut juste bien tout niquer avec l'arc ou en mode fufu, puis ensuite après ça se fait comme ça. On a besoin d'une bonne chasse. Traquer des esclaves, un tarador ou des drogues, peu importe. Tant qu'on fait judicieux. Bon, toi tu vas rien faire toi. Merci beaucoup, Rodin. Bon alors. C'est par là-bas, faut que j'aille. Ah, ils sautent comme ça. J'ai combien de points? 75. Attends, je peux déverrouiller une compétence. Impact. Les ennemis contrés sont projetés en arrière, étourdis ou mis à terre. Bah allons-y, t'es. Oh shit, lâche, merci. Moi je cours. Le nouveau chef, on a taillé un paquet. Je vais me le faire cet esclavagiste. Tant pis, l'épisode durera longtemps. Il durera le temps qu'il faut. Mais on va se faire l'esclavagiste. Non mais oh, un port romain ici. Bonjour, je ne fais que passer. Oh merde. Bon, bah, je suis désolé si vous avez vu revoir trois fois. On va dire que la deuxième fois je l'ai fait, c'est pas grave. Hop. Pourquoi traques-tu les Uruks avec tes yeux humains? J'en vois plus que tous les mortels. C'est con. Voilà. Tue le capitaine Orc. Si tu coupes la tête du serpent, son corps périra. Les archers. Je dois éliminer les yeux du camp. Attends, mais il y en a un juste à côté de moi, je vais me le faire. Il est où? Jure qu'il était non. Juste à côté des rochers. C'était pas un des peaux roses. C'était plutôt comme un peau grise. Un peau grise? Ah ok, je suis un peau grise. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. C'est peut-être... je vais d'abord tuer les archers et ensuite je tuerai... Les pas archers. Ça veut rien dire, enfin. Fuck. Hop, allez! Putain, désolé, je suis pas de. Oh putain, merde, il est tombé par terre. Je suis désolé, je peux vraiment pas de avec une manette. Pour mettre pile au bon endroit. Oh, j'ai raté. Non, je l'ai touché. Oh putain, avant qu'il mette l'alarme. Allez, vite! C'est bon. Ouais, faut que je tire dans la tête, mais je vais. Ah, c'est bon, j'ai récupéré mon. Ah, j'ai plus de tir de flèche. Ah, bah si, c'est cool. Merci pour les recharges. Alors, lui, ça a marché. Enfin, c'est des arbalétriers après. Lui, il est mort. Il y en a un autre là-haut. Je peux pas le toucher celui-là. Enfin, pour l'instant. Bon, bah, ça c'est fait. Les archers, c'est fait. Kimou, par contre, là franchement c'était facile à le tuer parce qu'il n'y a pas tout le monde autour. Mais putain, pourquoi ça a bugué? En plus, il y a encore les animations en fond de. En fond d'écran. Ça dans la tête. Ouf. Là c'était du sniping, hein. Ah lui. Il bouge pas. Dans la tête, ça les tue en fait. C'est cool. Bah franchement là je me prends pas la tête, hein. je me les nique un par un. Bon là ils sont deux là-bas, que ça va être à deux. Enfin deux par deux quoi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois 7 gardes. Plus le capitaine. Donc ceux qui sont plus près de moi, je vais me les faire à
en mode qui coule le Assassin's Creed après. Allez, monte. Hop. Alors, je sais pas si c'est pour ceux qui ont suivi. Donc, je disais, pour ce jeu-là, c'est un seul truc qui est chiant en fait. C'est que, bah, en fait, les. Alors, je sais pas si c'est que les cinématiques, mais il y a du copyright dessus. Donc, Warner Bros, ça ne veut pas qu'on fasse de vidéo dessus. À moins que, forcément, c'est eux qui gagnent l'argent. Des vidéos. Moi, ça me dérange pas, je m'en fiche, hein, franchement. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours bien de gagner un petit peu de sous, comme ça je peux m'acheter des nouveaux jeux pour faire de nouvelles vidéos, trucs comme ça, mais bon. Oui, parce que oui, moi je gagne pas tant que ça. Hein. Si je gagne des sous, c'est genre 50€ tous les 3 mois, pour ceux qui veulent savoir. C'est pas énorme. Hein. Ils sont 3 là-bas. Ils sont 5 de ce côté à gauche. Putain, il est tout seul le Guimou. Bah, je vais pas les tuer maintenant parce qu'ils sont tous les uns à côté des autres. Peut-être que je peux tuer celui qui est là. Il est loin là-bas, mais si je fais rien. Merde. Oh, il est mort. Ok. Là, il y a lui qui est tout seul. Ah, j'ai pas touché la tête. Leur pote qui était derrière, il est mort. Bon, là j'ai plus de flèches, donc je vais redescendre et je vais aller me les faire. Hop. Ah, tu te fous de ma gueule, tu vas pas descendre une marche par une marche. Enfin, une. Oh, c'est cool ça. Ils nous obligent à rester dehors sous cette maudite chaleur toute la journée. Tu te rends compte? Maudite. La seule chose qui soit maudite ici, c'est tes pleurnicheries. Ils sont quatre. Je vais essayer d'en attirer le moins possible. Et ramenez le vivant. J'aime pas ça. Les autres tournent le dos. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Où ça? Je croyais avoir vu cette étrange créature dont tout le monde parle. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. J'ai entendu l'esclave. Il reste tellement de batailles. Ouf! Allez, tous les uns après les autres. À toi, mon gars. T'es le dernier sur ma liste. Tout esclave tentant de s'échapper. Je suis là, mourra de faim. Ordure d'homme. C'est toi l'ordure. Tu serais fort comme esclave. Jamais. Ouf. C'est bon, il est mort. Faites que ça ne bug pas ce coup-ci. Yes. Ça n'a pas bugué, merci mon dieu. Tu es un capitaine, restitue. Ouais, bon ça, franchement. Ah, la santé par contre, ça peut être sympa, mais... Les imitations. C'est quoi que j'avais mis, moi? Ah ouais, en fait, ça c'est pas mal. Alors, tu n'es pas mort il y a 10 ans?
J'imagine que tu n'es pas venu m'arrêter pour trahison, capitaine. On est tout ce qu'il reste de cette garnison, Ergon. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je cherche un esclave qui a affronté la main noire. Tu ferais mieux de le fuir. Tu le connais ? Bien sûr. Tu l'as devant toi. Et les serviteurs du Seigneur des Ténèbres, tu sais où ils sont ? Peut-être. Ce n'est pas le moment de faire des mystères. Je suis coincé ici depuis des semaines. Ne bouge pas. Viens au camp des exilés. On demandera aux éclaireurs. Je viendrai. Gollum ? Ah ok, il y a Gollum. Ce n'est rien qu'un orque. Non, Gollum est très vieux. Hein. C'est quelqu'un qui veut être vu. Nous devons être prudents. Ok, hop. Je me pose. Bon bah on arrête la vidéo ici, c'est hyper long, enfin tant pis. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, aller sur la page Facebook qui est dans la description. Et puis bah, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine.